les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit clin d'œil à ces messieurs. Parce que le thème aujourd'hui, c'est la mode à la garçonne. Donc, la mode à la garçonne, c'est quoi? Le titre l'indique, c'est un style un peu à la garçon. Et puis, n'est pas de ressembler à un garçon ou à un homme du tout, du tout, du tout. On oublie. J'aime bien la mode à la garçonne, mais on apporte quand même notre touche de féminité. Avant tout, on est des femmes et on assume ce côté femme. Alors, on peut de temps en temps voler des idées à nos hommes, mais tout en restant séduisante, glamour, chic, sans pourtant être trop masculin. Donc, voilà. Donc, que vous dire de plus pour avoir un look à la garçon, on peut jouer avec des accessoires tels que les bretelles, des bérets, des nœuds de papillon, des cravates. Et côté tenue vestimentaire, on peut jouer avec des gilets, des costumes hommes, des vestes hommes si vous voulez, ou avec des tringes. Et après, côté chaussures, on joue avec des mocassins de derby. Ça, on a un large choix. J'aime bien la mode à la garçonne. En apportant ma petite touche de féminité, je reste féminin, mais tout en rajoutant des petits accessoires comme le chapeau, des bérets. Il est rare que je porte des nœuds de papillon parce que je n'y arrive pas encore. Mais les cravates, j'affectionne particulièrement les cravates. Donc, en général, c'est une belle chemise. Maxi ouvert, on met sa cravate sans pourtant l'attacher jusqu'au cou. Le but, je me suis dit, l'été arrive, pourquoi ne pas vous montrer ma façon à moi, mon aperçu du style vestimentaire garçon, dont je vais beaucoup jouer sur les pantalons. Et comme je l'ai dit, donc moi j'adore particulièrement les pantalons taille haute, dont je vais beaucoup jouer avec. Je vais jouer beaucoup avec des jeans et un pantacourt. Donc j'espère que vous allez apprécier. Surtout, laissez-moi vos commentaires, dites-moi quelle a été votre tenue préféré, et surtout les critiques. J'adore vos critiques, et abonnez-vous, ça c'est le plus important. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous laisse apprécier cette vidéo. Salut les filles. I'm sorry.
Well, I guess if you said so, I'd then have to pack my things and go.